Et salut tout le monde, c'est Superflo, comment vous allez? Moi ça va super bien, on se retrouve sur une petite vidéo Ubuxine de déballage mon nouveau casque que j'ai reçu, qui est juste ici. C'est un casque gaming Bluetooth, donc vraiment intéressant, un peu cher au prix de 200-230 euros. Profitez parce qu'il est en promotion sur Amazon, je vous mettrai le lien juste en dessous, parce que de base il vaut 380 euros à peu près, donc ça fait un peu cher. Il est compatible sur PS4 et PC, par contre je ne sais pas du tout s'il est compatible avec Xbox. Il y a des câbles après à faire un petit test. Vous avez un petit boîtier qui est avec, donc bien sûr, comment dire, je l'ai déjà branché, donc c'est plus facile pour moi de vous présenter le casque par la suite, parce que dans la boîte c'est un peu galère. Vous avez toutes les informations derrière, donc à l'envers, pas de chance. Donc je vais vous montrer. Vous avez deux batteries, une batterie qui va être juste en dessous dans la boîte et une batterie qui est directement intégrée dans le casque. Ça, c'est vraiment l'avantage. Ça dure 10 heures d'autonomie. Vous avez une distance de portée de 15 mètres à peu près au niveau du casque Bluetooth. Donc ça, c'est vraiment l'avantage. Donc hop, on va passer tout de suite sur le casque qui est juste ici. Donc avec, vous avez des câbles, je vais vous montrer quand même les câbles, c'est très important. Voilà, les câbles qui sont disponibles avec, comme vous pouvez voir. Voilà, il y a un câble en plus que j'ai déjà déballé. Mince, si je le mets à l'endroit, ça sera mieux, je suppose. Focus, voilà. En même temps, je filme avec une nouvelle caméra, donc un caméscope. Dites-moi ce que vous en pensez au niveau de la qualité de son et de l'image. Pour moi, c'est nouveau. Donc, juste ici, vous avez le micro. En fait, vous avez un, comment on peut dire, un petit capuchon, un filtre un petit peu fourni avec. Donc ça, c'est vraiment l'avantage. Vous avez le micro qui est juste ici. Donc vous pouvez voir, il est tellement grand. Ça, c'est l'avantage aussi. Ça, c'est vraiment cool. Il est Bluetooth, donc c'est compatible avec le téléphone, parce que quand vous jouez sur PC ou console. Et quand vous jouez, vous avez le téléphone qui sonne, ça évite d'avoir le téléphone en dessous le casque, comme beaucoup de personnes arrivent, comme moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, surtout quand tu es en live et il y a des personnes qui t'appellent, ça peut arriver, là tu réponds, et du coup tu as le son du téléphone directement, comme ça tu es tranquille, t'es pas embêté avec le son du... Ah ouais, avec le téléphone, vous n'êtes pas embêté, ça cherchait. Vous avez la batterie intégrée dedans, donc ça c'est l'avantage. Donc du coup voilà, là vous avez le bouton, donc Bluetooth. Bluetooth là, allumé. Là vous avez plusieurs prises pour brancher aussi. USB, prise pour, je sais plus comment ça s'appelle, alimentation. Vous avez le volume là, juste ici. Là vous pouvez couper le micro ou l'activer, donc ça c'est vraiment assez cool. Au niveau de la languette ici, vous pouvez la régler, donc ça c'est vraiment intéressant aussi. Au niveau de la tête et tout, franchement je l'ai testé et je vous le conseille. Au niveau du confort et tout, c'est vraiment intéressant, et moi je l'ai acheté, je vais vous dire pourquoi, on va découvrir la suite après. Je l'ai acheté en fait tout simplement parce que j'avais un ancien casque que j'ai toujours de chez Klim, donc c'est le Puma, donc je vais vous montrer qui est juste ici. Et souci c'est que le casque il est tellement grand au niveau du câble, donc il est là, le micro il est comme ça aussi, voilà, j'avais fait déjà une vidéo Buxin aussi. Et le câble il est tellement long que je peux vous montrer encore, il est là, il est là, il y a encore la distance, il y a pratiquement, je pense, sans dire de bêtises, plus de 1,50 m voire 2 mètres de câble. Et il est tellement long, c'est que des fois on m'appelle ou des fois quand je bouge et tout sur mon fauteuil, j'ai le casque qui s'enroule, j'ai le câble du casque qui s'enroule. Ah, désolé, focus. Du coup, c'est bon, c'est revenu. Du coup, comme je vous disais, avec le câble qui était tellement long, en fait, à chaque fois il s'est enroulé autour du fauteuil et c'était un peu embêtant. Donc, du coup, j'ai décidé de prendre un câble Bluetooth. Et en même temps, c'est bien quand vous parlez avec des amis, par exemple sur Discord ou sur l'application Xbox. Quand vous jouez une game et vous avez perdu, quand vous êtes mort dans une game, vous pouvez par exemple aller au frigo, aux toilettes ou n'importe où. Comme ça, vous avez le casque et vous pouvez toujours parler avec les personnes. Ou même si vous êtes au téléphone, vous pouvez faire pas mal de choses, vous pouvez bouger. Donc moi c'est, je trouve vraiment intéressant. Ici vous avez le boîtier. Donc comme vous pouvez voir, je vais essayer d'avancer un peu la caméra histoire que vous voyez. Donc voici le boîtier. Là vous pouvez aller dans les paramètres. Donc là c'est le volume pour le PC. Par contre j'ai pas allumé le casque. Donc attendez, je vais l'allumer. Donc là j'allume le casque en principe. J'espère que la batterie aille encore. Oui, voilà. Ça met que le casque il est connecté. Je peux vous montrer. Donc ici vous avez une batterie
qui est déjà dans le casque. Donc Bluetooth, attendez. On va attendre que ça marche. Que ça s'unisse au moins. S'il veut bien s'éteindre. Bon, ça c'est pour la batterie, vous avez vu. C'est la batterie qui est déjà connectée sur le casque. Donc là vous avez la batterie du casque. Là vous avez une deuxième batterie qui est en train de recharger. Donc je sais pas si vous voyez un peu avec le. Peut-être avec la couleur, je sais pas. Donc le deuxième. La deuxième batterie elle est juste ici. Pour la recharger. Donc vous avez juste appuyé dessus et ça ressort. Voilà. Vous avez une batterie. Deuxième batterie du coup. Ça dure 10 heures, donc ça c'est vraiment l'avantage. Vous pouvez faire pas mal de games, faire des lives, faire pas mal de choses, de toute façon c'est intéressant. Ensuite, vous avez tous les paramètres. Donc moi les paramètres, je veux pas trop trop m'intéresser parce que voilà, il faut vraiment savoir. Donc audio, source, option, vous avez pas mal de choses. Voilà. Pour les gens que ça intéresse. Moi je touche pas trop parce que je connais pas trop, donc je préfère pas les bêtises. Donc vous avez le casque connecté. Pour dire qu'il est connecté, vous avez volume, donc soit le régler à la manette, à la petite roulette là plutôt, ou soit régler directement au casque. Donc attendez, là je le règle au casque, et vous voyez, ça marche facilement. Je sais pas si vous voyez un peu, c'est un fou jour, je sais pas du tout. Et du coup, voilà, je le trouve vraiment intéressant. Là, on peut voir qu'il reste 2 barres sur la batterie qui est directement sur le casque, désolé, et du coup sur la batterie qui est déjà à 100% qui est dedans. Donc voilà, je trouve vraiment intéressant comme casque. Dites-moi vous ce que vous en pensez, est-ce que vous avez l'acheter ou est-ce que vous l'avez déjà. Si oui, ce que vous en pensez, voilà, vous avez le droit de donner votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de laisser un petit pouce bleu. Et n'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux, surtout sur ma chaîne Twitch, le lien est dans la description. Moi je vous dis à très vite et salut tout le monde.